Évidemment, mais il est vrai que les États-Unis, dans leur manière de fonctionner aussi, ne font pas en sorte qu'à un moment donné, l'antisémitisme va diminuer. Donc, on parle là de propos, mais il ne faut pas oublier les agressions. On a vu la semaine dernière aussi, le nombre d'agressions monte à Brooklyn, les agressions dans la rue, que des personnes qui font sur des juifs. Donc, moi, ça me fait rire que j'entends dire les Américains comparent le traitement des Arabes. Palestiniens voilà. À ce que les nazis ont infligé aux juifs. Alors, vu l'engagement qu'aujourd'hui, en plus, les États-Unis, notamment dans le conflit en Ukraine, il devrait plutôt aller voir ce qui se passe en Ukraine, notamment tous ceux qui vénèrent l'ancien nazi Bandera ou le régime Azov. Je pense qu'ils vont plus trouver de nazis là-bas, avec Biden en tête qui soutient ce régime-là, plutôt qu'en Israël.